Yo tout le monde, c'est Endrim et aujourd'hui on est sur la saison 5 de Final Freddy's. Oh, c'est très cool. Premier épisode. Ouah, ça fait trop longtemps. Le courage de Linda Brown. Linda, l'héroïne. Linda contre le pirate. Linda, la chanteuse du moment. Linda, ceci. Linda, cela. Je déteste ces gros titres. Même Nicolas Blanc veut être sur scène avec elle. Quel mauvais goût. Quelle connasse, en fait, elle l'aime pas. Johanna, rends-moi le portable, ton temps est écoulé. Tiens, si c'est pour lire ça, je préfère ne rien lire. C'est insipide. Linda est partout, j'ai envie de vomir. Linda Brown, j'adore sa dernière chanson, elle est sympa. Pourquoi t'es venu? Pour m'insulter? Non. Johanna, c'est sympa de te voir. On est venu en échappant aux faux de Linda. Des fans. Ah, aux fans. Des fans. Elle a à nouveau des fans. Bruno, tu as le contrat final de Linda. J'en ai besoin en urgence. Contrat. Linda est la chanteuse du moment. Elle est en tête de toutes les radios. Non mais, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas arrêter de danser et chanter sa chanson. Moi non plus. C'est fantastique, pile comme Linda. C'est vrai qu'elle est sympa. Là, tout le monde danse. Ah, mais j'adore cette chanson. Chut. Donc, Bruno est le copain de Cynthia sont en prison. Pourquoi? Vous comprenez toujours pas? Linda ne peut pas chanter. Linda ne devrait pas chanter. Linda ne devrait pas chanter. Oh, c'était qu'un rêve. Le festival de Buenos Aires promet d'être unique. Ah, ils sont pas. Ok. Ils sont pas en prison alors. Dommage. Je rigole. Tu as vu la liste des invités? Je n'arrive pas à croire qu'on soit à l'origine d'un truc pareil. Je ne suis pas si surpris. On a du succès et ça nous donne du prestige et des contacts. Et même si on a eu une mauvaise phase, les gens s'en souviennent. Et on le paye avec tout le tra avec plus de travail. Tu as regardé la to-do list. J'ai besoin d'aide avec le cachet des artistes. Les chiffres ne tombent pas juste. Et je n'y arrive pas seul. Cachet, chiffres. Je veux me concentrer sur la partie créative de ce festival. On a deux personnes en moins. Que sur le précédent festival Bruno. Allô? Mademoiselle Phoenix, quelle agréable surprise. Oui, je comprends. Oui, bien sûr, j'y serai. Au revoir. L'agent de Nicole, qu'est-ce qu'elle voulait cette fois? S'assurer que l'eau dans la loge de Nicole était française.
Il y a eu de l'eau française à Buenos Aires où j'en achète ici. Regarde-toi, courant partout pour les caprices de Nicole Blanc. Cynthia doit adorer te voir courir après une autre femme. Cynthia est adulte. Elle sait que c'est pour le travail. Encore une fois. Allô, Mademoiselle Phoenix, que puis-je faire pour vous? Encore? Détends-toi. Au moins, tu cours après une belle femme. Oh. Vas-y, montrez-la moi. Je tomberai amoureux encore une fois d'elle. Enfin, d'une fille. Je rigole. Alors, un rêve? Quel genre de rêve t'inquiète-t-on? Un rêve très étrange. Les gens avaient bien pris mes déclarations contre le pirate. Je faisais la couverture de tous les magazines et ma chanson était numéro 1 sur toutes les radios. Johanna la chantait en prison comme tout le monde dans le rêve. Bruno Milton Drosio. Et moi, je n'étais pas dans ton rêve. Si tu es venu dire que je ne devrais pas chanter bizarre. Soudain, tout est devenu étrange et je me suis réveillé. Tu blagues, tu te vexes. Donc, dans tes rêves, je suis le méchant. On dirait que mes inconscients jouent avec toi. J'ai de la chance que ta conscience ne le fasse pas. C'est vrai. Linda, ton rêve n'est pas si étrange. Tu dis ça parce que tu ne l'as pas vécu. C'est presque vrai. Tes déclarations contre les pirates n'ont pas été publiées partout, mais ça a été publié dans le journal local. Regarde. Ce journal est lu par des milliers de personnes. Et tu es aussi sur les réseaux sociaux. En fait, Drosio a quelque chose à te dire là-dessus. Vraiment? Je ne t'en mentirai pas. Tu veux qu'on aille le voir? Je ne sais pas, Rodrigo. Allez, fais-moi confiance. Il te remontera le moral. Ok. D'accord. Je serai prête dans une minute. Ah, oh, mais fais pas chier! Oui! Non! Mais... Tu es prête? Pas encore, je ne sais pas quoi mettre. On va juste voir Rosio. Je sais, mais j'ai envie de me faire belle. Tu sais que ça me remonte le moral. Bien sûr. Et quels sont les choix? Non, non, non. Ce serait une surprise pour toi aussi. Au revoir. Petite robe blanche, beauté fraîche, blanc orange, celle-là. Cette robe est simple mais habillée. Mais je ne sais pas si c'est un peu plat. Tu fermes ta gueule et tu mets celle-ci. Ça y est, le blanc est une couleur de lumière. Et j'en ai besoin. Voilà, en plus t'es très belle dedans. Et tu me casses pas les couilles. Ça, salut ma belle, on y va? Je suis prête, alors on peut y aller. Prête et belle. Linda, tu es venue. Oui, pourquoi tant de mystère? Tu dois me dire quoi? On veut
t'interviewer dans un site, pour un site. Ce serait un live. Le public peut interagir avec toi. Je ne perdrai pas de temps avec ça. Tu acceptes. Oh! Je ne pense pas, Drosio. Je ne veux pas perdre de temps avec ces choses-là. Une interview avec des gens qui ne sont même pas réels, ça n'aiderait pas la situation. Je dois me concentrer sur mes objectifs. Oh Linda, je comprends. Tu as raison. Bonjour le pirate! C'est juste une provocation. Un journal publie des déclarations de Linda Brown éternisant mon nom. Éternisant. Arrête, personne ne va lire cette insignifiante colonne. En plus, personne ne sait qui est le pirate. Les gens communs ne savent pas, mais mon cercle, oui. Maintenant, je suis la risée des autres barons. Tony, l'Italien, m'a envoyé un poisson pourri. On m'envoie chercher un autre port pour voler. Ils se moquent tous de moi. On dirait qu'Osapo a encore gagné. Johanna n'a pas été compétitive. Je n'en suis pas si sûr. C'est elle qui a commencé à nous impliquer avec Linda. Sans elle, tu n'aurais pas tous ces problèmes. On doit lui faire porter le chapeau. Tu te moques de Johanna, tu as la compassion pour Johanna. Non, tu te moques de Johanna. Je me fous de Johanna. Johanna, t'as menti. Linda n'a pas la drogue. Je m'en moque pour le moment. Je dois d'abord récupérer mon honneur. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois alors confronter Linda Brown. Elle est toujours sous protection. Un plan, et je sais. J'ai un plan, et je sais qui peut m'aider. Qui? Sois patiente, tu le sauras. Une semaine plus tard. Enfin libre. Ah, en plus c'était la fin. Ah ouais, que des septante ici, hein. Continuer. Oh, continuer. Voilà, là je peux continuer. Je ne t'inspirais aucun sujet à la mode. Ça fait quoi de sortir, de respirer l'air frais à nouveau? Ça fait du bien, juste à ce que tu arrives. Sans moi, tu seras encore à l'interview, à l'intérieur. Alors tu ferais mieux d'obéir. Mais tu me fais de la peine, on fera un pacte. Tu ne dirais pas un mot au pirate sur mon mensonge. Et j'oublie ma revanche. Alors, tu penses que je suis stupide? Il me reste quoi? Tu penses que je suis stupide? J'ai peut-être manqué d'oxygène en confinement, mais je n'ai perdu aucun neurone. Tu ne renonceras jamais à venger tes frères?
Je te connais. Au moment le moins propice, tu me poignarderas. Tu vois que tu me connais? On est faites du même bois toutes les deux. Considère ça comme une trêve alors. Ma revanche a échoué. Le pirate se moque de ta dette. Il n'a que Linda en tête. Et je pensais que tu voudrais te joindre à nous, à la cause. Enfin, une cause amusante. La tête de Linda. Que se passe-t-il? Ils font la promo du festival et je ne pourrais pas y aller. Mais bon, au moins j'ai été invité. J'ai cru vous reconnaître de loin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces têtes? Vous avez fait un beau flyer pour le festival. Oui, c'est le compte à rebours. On travaille dur. Génial. Dis-moi plus. J'aimerais que tu puisses venir. Je veux t'aider, Linda. T'en as déjà fait beaucoup. Ce n'est jamais assez, écoute. Ne t'inquiète pas. La musique, c'est bien plus que les festivals. Pourquoi tu enregistres pas une démo? Je ne sais pas, j'adorerais. Ce serait la première chose que je ferais en rentrant d'Argentine. Commence à préparer un répertoire. Il y aura plusieurs spectacles. Comment ça en Argentine? Tu pars en Argentine? Préviens le public, Linda Brown. Tu ne s'arrêteras pas de chanter. Faisons ça. Regardez ce que la marée m'apporte. Sauf si tu te considères comme la mer. C'est un plaisir de t'avoir ici, au Sapo. Enfin, en face à face. J'aimerais dire pareil, mais je ne sais pas ce que tu veux. C'est comme ça que tu me remercies? J'ai utilisé mes meilleurs contacts pour toi. Tu n'es pas du genre à faire une faveur. Je n'ai jamais douté de ton intelligence. Que veux-tu de moi? J'ai besoin de ton intelligence d'entrepreneur. Je dois savoir comment un artiste pense pour que retrouver face à face à Linda et la tuer à mes propres mains. Je crois pas que c'est son père. Son père ne dirait jamais ça. Je veux que le monde de la mafia découvre ce qu'il se passe quand on s'embrouille avec le pirate. Tu vas m'aider? Je veux que Linda meure depuis que je l'ai rencontrée. Et on commence par quoi? Non, s'il te plaît, me dis pas que tu es contre Linda. Trinquons au retour de Linda parmi les stars.
ça, c'est toi, celle qui n'abandonne jamais. Stop aux larmes. Elles sont ennuyantes. Moins de larmes et plus de verre. Merci, que ferais-je sans vous tous, mais vous exagérez. Il ne s'est encore rien passé. Rien de plus que Bruno et son offre charmante. Quel couple moderne, beau-frère était très jaloux. Mon beau-frère était très jaloux de Bruno. Et là, il fête le fait qu'il aide la carrière de mon ami. C'est de l'histoire ancienne. Linda et moi sommes au mieux. Pas de place pour de la jalousie. Écoutez la déclaration de Nicole Blanc. Rien ne me ferait plus plaisir que de chanter avec Linda Brown et de partager sa force et son courage. Linda à Buenos Aires. Mais c'est elle qui a dit qu'elle ne le ferait pas si Linda y chantait. C'est étrange. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, les enfants. Elle appelle qui? Nicole Blanc? J'ai répondu à un poste pour toi, elle veut te parler. Décroche, pourquoi tout ce bruit? Linda, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, on prend! Décroche. C'est un appel vidéo. Tu es prête? Oui, allons-y. Voilà, tu dis pas non. Ok, connasse. Nicole Blanc. Nicole? On veut te voir. Désolé, je ne suis pas en forme, parlons comme ça. J'ai vu que tu étais connecté et j'ai appelé sans réfléchir. J'ai voulu te parler depuis des jours. Ah, vraiment? Je veux te féliciter pour ta conférence. Tu es une source d'inspiration. Ce n'est pas ce que tu pensais avant. Ces interviews sont pathétiques comme elles. Je crois. Ça commence comme ça, les gens sympathiques avec ces cas. Sympathise. Linda, j'avoue fort, j'avais tort de te juger ainsi. J'ai rejoint l'ennemi au lieu de faire ce que j'aurais dû faire. Qui était de te soutenir? Et de défendre en, et te défendre en tant que femme. Les gens communs ne savent pas, mais mon cercle, oui. J'espère que tu peux me pardonner. Ok, pas de problème, Nicole. On fait tous des erreurs. Merci de le reconnaître, ça veut dire beaucoup pour moi. Merci de m'aider à comprendre qu'on doit rester unis. J'espère qu'on se rencontrera bientôt. Pareil. Et voilà! Je n'en suis pas si sûr. Je vous adore, Mademoiselle Blanc. Oui, moi aussi. Ciao, il faut que j'y aille. Ciao, merci.
C'est vraiment arrivé ce qu'il vient d'arriver. Tu veux que je te pince? Faisons la fête. Juste un truc, les gars. J'ai. Bon, juste un petit truc, les gars. Vous voyez, à la saison 4. Ouais, à la saison 4. Voilà quoi, il y avait. Ben, il fallait. On voulait tous découvrir la vraie tête du tueur, du méchant, quoi, du pirate. Et ben, on l'a eu. Là, vous voulez connaître la tête de Nicole Blanc? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est méchante? Moi, je crois qu'elle est méchante. Alors, c'est quoi tout ça? Depuis quand Nicole est fan de Linda? Hashtag Linda à Buenos Aires. Regarde le membre de récupérance. Récurrence, Milton. C'est impressionnant. Je dis juste que c'est bizarre. La conférence a eu lieu la semaine dernière et ça arrive maintenant. Tu n'y crois pas? Tu as raison. Je ne veux pas recevoir de l'admiration gratuite, c'est ça? Je ne peux. C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu dois admettre que c'est bizarre, si soudainement. Pourquoi tu ne peux pas juste profiter qu'il m'arrive un truc bien? Ok, parlons d'autre chose. C'était juste un sentiment que j'ai eu. Je préfère accepter les choses comme elles viennent. Ça arrive et je vais en profiter. Ok. Oh, mais c'est quand la fin? L'ego de l'artiste et ambition de l'entrepreneur. La combinaison parfaite. J'attendais le bon résultat de ta part, mais pas aussi vite. Je suis agréablement surpris. Cette Nicole me devait de nombreuses faveurs. Et le reste, il fallait juste embaucher des trolls pour parler de Linda sur les réseaux. Et maintenant, Linda va vouloir être plus exposée. Et son producteur ne va pas rater l'artiste du moment. S'ils font tout ce que je dis, très bientôt. Linda sera en route pour Buenos Aires sans protection. Je l'aurai en face à face. Enfin, c'était la fin! Enfin, c'est la fin, quoi. Bon, on va attendre pour demain. Buenos Aires, me voilà. Ok, on va attendre demain. On va faire demain Buenos Aires et tombe creusée. Allez, au revoir et à demain. Ciao tout le monde, peace!